On ne peut pas programmer ce genre de choses. Où est-ce que je suis? Ces voix, arrêtez! Sortez de ma tête! Ok. Qu'est-ce que... Merde, la porte! Réinitialisation en cours. Wow, doucement là, qu'est-ce qui se passe? Bien le bonjour, patient numéro 2550. Hein, qui êtes-vous? Je suis votre docteur, vous ne vous en souvenez pas? Non, je ne me souviens de rien depuis mon réveil. En effet, c'est normal chez les patients victimes d'un grave accident. Quoi? Comment ça? Eh bien, vous avez subi de graves lésions cérébrales, d'où votre amnésie. Mais ne vous inquiétez pas, celle-ci ne devrait être que temporaire. Comment je m'appelle? Je ne peux rien vous dire, c'est contraire au protocole de soins. Vous devez retrouver la mémoire par vous-même. Mais où est-ce que je suis? Pourquoi je suis enfermé? S'il vous plaît, évitez de vous énerver. L'opération de reconstruction de vos lésions cérébrales est encore toute fraîche. Contentez-vous juste de résoudre ce test. Je vous attendrai dans la prochaine salle. Un test? Quoi? Attendez! Merde! Réinitialisation en cours. Bien, je vois que vous y êtes arrivé facilement. Nous allons donc pouvoir continuer votre évaluation. Mon évaluation? Oui, afin de nous assurer que suite à la reconstruction de votre cerveau, celui-ci fonctionne bien. Et pour ce faire, une évaluation composée de 10 tests différents et d'un test final est nécessaire au patient pour pouvoir établir son profil psychologique et physique qui servira notamment à valider sa sortie de l'hôpital. Et je suppose que vous n'allez pas me dire pour quel hôpital vous travaillez. Malheureusement, non. Comme je vous l'ai dit, c'est contraire au protocole de soins. Vous devez vous soigner par vous-même, sans interférence avec le corps médical. Alors allez-y, avec celui-ci, il ne vous en reste plus que 9. Ouais. Attendez, qu'est-ce qui se passe si je tombe dans cette eau? Oh, ne vous inquiétez pas, c'est un liquide conçu spécialement pour vous dématérialiser et vous reconstruire dans le sas. Il nous permet de vous évaluer à un risque potentiel de mort. Ah, ce n'est pas très rassurant. Réinitialisation en cours. Bien, ce deuxième test vous demandera
un peu de réflexion. Rien de très compliqué en soi. Mais bon, certains patients ont dû en rester là. J'espère que ce ne sera pas votre cas. Très drôle. Intéressant. Continuez s'il vous plaît. Réinitialisation en cours. Je crois que vous avancez bien. Alors dans cette salle, nous allons tester vos réflexes. J'espère que vous n'avez pas perdu la forme. Je me souviens pas avoir entendu parler de ce genre de test pour des personnes victimes d'un accident. Nous avons débloqué les fonds et obtenu les accords il y a seulement un an. Et le projet étant expérimental, Attendez, vous êtes en train de me dire que je suis un putain de cobaye ? En quelque sorte, mais c'est votre famille qui a financé votre hospitalisation et qui vous a amené ici. En aucun cas, nous vous forcerions à passer ces tests. Je me souviens de rien. Alors famille ou pas, pour l'instant je suis seul. Certes, mais ne vous inquiétez pas. Votre mémoire devrait revenir. Vite. J'espère bien. Réinitialisation en cours. Réinitialisation en cours.
Initialisation en cours. Réinitialisation en cours.